Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment on utilise le protocole VTP. Donc, on va utiliser le protocole VTP pour configurer les VLAN. Donc, dans le précédent tutoriel, on a vu comment sur un switch, on crée les domaines de diffusion. On sait que généralement, un switch définit un seul domaine de diffusion et par configuration, on peut créer plusieurs domaines de diffusion sur un switch. C'est ce qu'on appelle généralement les VLAN des réseaux virtuels. Aujourd'hui, nous allons parler de VTP. Donc, c'est un protocole qui permet de répliquer en fait les VLAN. Donc, on a un VLAN, on a un switch serveur et on a le switch client. Donc le switch serveur, il va répliquer le VLAN sur plusieurs switch clients si on en a sur le réseau. Donc on va commencer. On joue mon Cisco TouchSafe Tracker. Donc c'est ça. Donc généralement sur les équipements Cisco, le VTP fonctionne sur trois modes. On a le mode serveur et le mode client. Le mode serveur, on crée création, modification, de suppression de VLAN. Sur le mode client, il n'y a rien, il n'y a aucune action sur le VLAN là-bas. Et on a aussi un mode qui est le mode transparent. Le switch ne participe pas au processus VTP. Donc, c'est ça. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un routeur et bien pour préciser, on utilise un switch, excusez-moi, de niveau 3. Ici, je vais prendre bon, je vais prendre ça. Oui, bon, je vais prendre ça. Ensuite, je vais prendre switch. Voilà. Switch. Je prends, non. Je vais prendre un switch ici, encore un switch ici, et bon, ouais, donc j'ai pris un switch serveur, bon, un switch que je vais utiliser comme serveur ici, et je précise que c'est un switch de niveau 3. Ensuite, j'ai pris trois switches, donc ici je vais essayer de renommer juste pour mettre SW2. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas complexe, c'est juste de vous allez voir, c'est ça, c'est le serveur. On peut mettre serveur ici pour identifier un peu, et puis ici c'est SW 3, je peux l'appeler 3, et ici SW 4, c'est bon. Maintenant, on prend le câble pour relier ça. Et les équipements de même niveau, c'est le câble croisé. Donc, ici, je vais. Premièrement, on va prendre les trunks sur l'interface de 1 à 5. Oui, c'est ce qu'on va faire. 1-1. Ici, je vais prendre 2-2. Voilà. 2-2. Et ici, je vais prendre 3. Voilà. Donc, après, donc je vais ici, dans notre exemple, on va définir une plage pour le trunk allant de 1 à 5. Donc ici, j'ai pris 1-1, 2-2 et 3-3. Donc ils sont dans cette plage. C'est pour que les VLAN puissent communiquer. Donc on va configurer une liaison trunk. Donc c'est bon. Je prends les terminal ici. Je peux prendre un ordinateur ici pour le test. Je vais prendre deux ordinateurs ici et un ici. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord se connecter jusqu'à droite pour les équipements de différents niveaux. Ici, je vais mettre ça sur le 10. Ensuite, ici, je vais le mettre sur le 11. Ici. 18. OK. Et le dernier, je vais mettre ça sur le 13. OK. C'est bon, je peux le faire. 13. Donc, on va aller un peu rapidement au niveau des configurations pour ne pas prendre trop de temps. OK, c'est bon. Donc, je vais commencer d'abord par le. Donc,
mon serveur. Donc, le serveur, quand je dis serveur, je parle du switch qu'on va utiliser ici comme un serveur. Donc, no. Vous voyez, would you like to enter the initial configuration dialogue? C'est d'habitude sur les routeurs et autres. Donc, c'est bon. Donc, on va aller un peu rapidement. Donc, ici, premièrement, il y a quelques commandes pour quand on sera obligé ici de taper. Et quelles sont les commandes? Ici, on va faire un switch. On va faire un VTP mode server. OK. Donc, c'est bon. Ensuite, je vais mettre un domaine. Oui. Je mets quelque chose. RTM.tg, quelque chose, ou .ca, oui. Ensuite, je vais préciser la version, version 2. Ensuite, je vais mettre un mot de passe, UTP password, Cisco, 1, 2, 3. Pas d'espace, ok, c'est bon. Maintenant, il y a une différence. Lorsqu'on utilise un switch de niveau 3, il faut faire l'encapsulation. Il y a une encapsulation qu'on appelle encapsulation d'OptiOneQ. Donc, quand on doit faire ça avant. Parce que sur un switch de niveau 3, c'est comme ça se passe. Donc, il faut le faire. Donc, on va le faire. On va prendre interface. Je fais OK. Interface. Range. J'avais dit, on va prendre F0. De 1 à 5 pour nous. Donc, je vais faire le switch. Switch port. Trunk. Encapsulation. Dot 1Q. Donc, ça. Dot 1Q. Donc, c'est bon. Et maintenant, je peux lui dire que voilà, c'est ça qui sera le mode trunk. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur un switch de niveau 2, c'était facile. On faisait juste sur le. L'interface, on faisait juste switch mon truc. Mais là, ici, il faut faire le dot 1Q avant de faire ça. Donc, c'est bon. On va enregistrer. OK. Maintenant, je vais fermer carrément. Donc, maintenant, sur le switch 2, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer. Activer en quelque sorte le protocole ici. Il suffit juste de le dire. Confti, donc ici on va lui dire que c'est toi qui seras quoi? Mode client, donc il sera le client. Ensuite, je vais mettre le mot de passe, UTP password, Cisco, 1, 2, 3. Il dit UTP password can be set for. Ok, donc je mets le domaine rtm.ca que j'ai mis sur le serveur. Vous voyez, c'est bon, il a dit qu'il a été changé. Maintenant, je vais retaper le mot de passe. Et c'est bon. Donc, je fais enregistre pour le moment. Je n'ai pas encore fait les. Je vais juste faire les. Configurer sur tout. Je viens ici aussi, je vais juste faire les. Pour le moment. Enable. Je fais la même configuration ici. VTP mode client. VTP password. Password, Cisco, 1, 2, 3. Vous voyez, ici, il ne m'a pas demandé de mettre le domaine que le domaine de est nul, donc de mettre ça, de changer. Donc, ici, il n'y a pas de ce problème. Je n'ai pas eu ce problème. Et sur ça, donc, enable, configuration terminale. Ensuite, VTP, mode client. Ensuite, VTP, password, Cisco, 1, 2, 3. C'est bon, j'enregistre. OK. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Le but de ce protocole, c'est qu'on crée les VLAN ici et ça va les répliquer sur les VLAN clients. On va vérifier sur les switch clients. Donc, on va vérifier sur le switch en faisant do show VLAN brief. Non, c'est pas encore là parce que j'ai pas encore défini les liaisons trunk. OK. Donc, il faut les liaisons trunk. Donc, interface.
interface range F0. J'avais oublié de faire ça. Donc, switch mode trunk. Y simple, on enregistre. Ça, c'est sur le switch. OK. Je ferme. Je viens ici aussi. Interface range F0 1 à 5. OK. Switch port mode trunk. C'est bon. J'enregistre. Je ferme. Je viens ici. Exactement. Interface range F0 1 à 5. Je mets switch port mode trunk. C'est bon, j'enregistre. OK. C'est bon. Maintenant, je vais refaire vérifier pour voir si maintenant, en répétant la commande que j'avais tapée. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'ai pas encore créé mes... Ah ouais. J'ai pas encore créé mes VLAN sur le serveur. OK. Donc ici, on va créer à peu près 3 VLAN. On va utiliser 3 VLAN ici. On va créer donc... Je vais sortir d'ici. Je fais VLAN. Je crée un VLAN 11. Name, je mets com. Peut-être pour les commerciaux. Ensuite, VLAN Jules. Name, vol. C'est juste un nom pour. Ensuite, VLAN 13. Name, Paul. Ensuite, VLAN 14. Qui sera mon VLAN natif. Peut-être NATS. C'est bon. Donc, après ça, je vais commencer par faire interface. Je peux faire un site peut-être et puis faire interface. Donc, ici, je suis sur mon. OK, je peux juste enregistrer. Voilà, les VLAN sont créés. Maintenant, je vais aller vérifier. Je ferme. Je vais aller vérifier. Je peux taper la commande. OK, c'est bon. Donc, vous voyez ici. Donc, ici, j'ai mes VLAN qui sont présents, donc que j'ai créé sur mon serveur. On a com, vol, les 4. Ça sera pour ainsi pour celui-ci aussi. Si je fais CTRL Z, ensuite je fais show VLAN brief. Exactement, vous voyez sur ce switch aussi. Ensuite, sur ce switch, exactement la même chose. Show VLAN brief. Voilà. Vous voyez exactement les VLAN 11, 12 et 13 que je viens de créer sur le serveur seulement. Et grâce au protocole VTP, ça a repliqué toutes mes configurations. En l'occurrence, les VLAN que j'ai créé sur le serveur, il les a repliquées sur mes switch clients. OK, donc on va faire la configuration pour essayer juste de tester ce que j'ai fait. Donc sur le je vais commencer d'abord sur le switch 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire rapidement l'adressage pour avoir une idée de ce que je vais faire. Ici je vais utiliser un /28, donc un /28, ça fait 4 bits de plus comme un /24, donc ça fait 255.255.240, c'est-à-dire on va aller de 16 à 16, donc 10.0.0.49, ici, j'ai utilisé 49 ici, parce que le premier c'est 48, donc on ne peut pas utiliser le premier qui est .48, donc utiliser le .49, je vais copier pour aller rapidement. Sur le deuxième qui est ici, là-bas j'ai utilisé 48, ici je vais utiliser, je vais prendre ça comme étant le premier 16 et puis donc 17, c'est bon. Ensuite, ça. Euh,
Si je vais prendre 10.0.0.33 qui est dans. C'est ça, c'est bon. Je vais faire. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça, je viens de faire. Ensuite, ça, je vais mettre. .0.0.50. Ok, .50. C'est bon. Si, je sais pas si j'ai déjà fait, c'est bon. Je sais pas si j'ai mis le masque ici. C'est bon. Ok, donc j'ai une idée de ce que je vais faire comme configuration. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est le switch 2. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire sur le switch 2? Nous allons faire interface. Ok, j'ai déjà défini la liaison trunk sur ça, c'est pourquoi ça a communiqué, c'est bon. Je vais dire interface F range, je vais prendre une plage de 6 à 24, oui, et puis là je vais mettre le switch, switch port, mode, access, et puis je port access, je vais mettre le VLAN 13 là-bas, ok. VLAN 13. Ok. Je fais un spanning tree port fast. Je fais un white. Ok. C'est bon. Je fais un exit. Je ferme. Je prends le VLAN 4. Le switch 4. Non. Interface. Configure terminal. Donc, interface range. F0. Ici sur le switch 4, je vais prendre de 10 à 24 aussi, à peu près. Je vais un switch mode access, un switch access VLAN 11 ici, et puis je vais faire un spanning port fast. C'est bon. Et puis je fais un join. C'est bon. Je ferme. Je viens sur le switch 3. Configure terminal. Ensuite, je fais interface. Je fais quoi? Interface range F0. Ici, sur le switch 3, je vais mettre j'ai deux VLAN, oui. Donc, le premier, je vais prendre de 6 à 15. Là, je vais prendre. Switch mode access. Ensuite, switch access VLAN. Ici sur le 3, je vais prendre vraiment le 13 pour pouvoir faire le tester avec ce que j'ai de l'autre côté. Port fast. C'est bon. Je ne vais pas enregistrer. J'ai fait un SX. Je configure une autre plage. Range F0 slash ici si je suis deuxième, je vais prendre 16, oui, à 24. Ouais. Ensuite, switch port mode access switch port, oh, en clavier switch port access VLAN Jules, ouais, Jules, ok, port fast. Et puis je fais un joie. C'est bon. Donc, je pense que toutes les configurations sont faites et sont bien faites, je le pense. Je ferme. Maintenant, on peut faire les tests. Donc, ce qui veut dire que si je prends mon VLAN 13, qui doit être sur, qui est ici, c'est déjà communiqué avec le VLAN qui est sur le switch 2, c'est 2 ici. Et le switch 3, 2 et 3. Donc, il doit pouvoir communiquer. Et ce n'est pas tous ces deux ports qui vont communiquer avec ça. Ça, le switch 2, je l'avais mis sur le VLAN 13. Voilà. Et vous voyez l'adresse. C'est le 10.0.0.49. Donc, là, je pense qu'on a mis ça ici. Voilà, le VLAN. Parce que. 33,
40, 49. Ok, c'est ici. Donc, ça, donc, je vais pouvoir pinguer. Normalement, en tant qu'administrateur réseau, il faudrait avoir, faire une topologie sur laquelle il aura les adresses IP en fonction des. On ne fait pas ça juste comme ça, juste pas comme je l'ai fait. Il faut. Donc, c'est bon. Donc, on va essayer de pinguer ici. Ici, je pense c'était 49. Ouais, 49. Et vous regardez, ça marche. Ça marche très très bien. Je viens de pinguer à partir d'ici, à partir du sur ce switch, j'ai pingué ici. Vous voyez, ici, je ne peux pas pinguer ça parce qu'il ne se trouve pas dans le même VLAN. Ça a du sens. Donc si je fais 10.0.0. Je ne me souviens plus de, excusez. 33, ok. Donc 33. Ça ne va pas marcher. Vous voyez, c'est simple. C'est pour des raisons de sécurité. C'est vrai, on est sur le même switch, mais on ne va pas pouvoir communiquer parce que j'ai quoi? J'ai configuré les VLAN sur les switches. Et pour éviter, pour des raisons de sécurité, pour les raisons de trafic, pour séparer les trafics données, les trafics voix, ou pour, vous voyez, on peut dire, voilà, sur ce switch-là, les quatre premiers ports ou les 6 ou les 10 premiers ports sont pour les administrateurs ou pour la direction. Ça, c'est pour les commerciaux. Ça, c'est pour les informaticiens. Donc, il y a ces configurations qui se font dans les entreprises. Donc, c'est bon. On peut, je ne sais pas, je vais essayer de mettre rapidement pour faire aussi une configuration ici, juste pour tester. Donc, cap droit, ici, je prends ça, cannot be, je sais pas ce qu'il dit. OK. Et ici, je vais essayer de prendre, je vais essayer de prendre le 11. Donc, le 11. D'habitude, je vais le configurer ici sur 10 à 20. Donc, je peux mettre ça sur le, je sais pas, sur le 11, c'est bon. OK. Donc, je viens sur le, ici, je vais faire une autre configuration. Interface range de F0, de 10, comme je l'ai dit, jusqu'à 20. Comme ça, notre 11 est inclus dedans. On va le définir comme un switch mode. Access, switch, access, VLAN, 11. Je pense que oui, c'est ouais, VLAN 11. Je vais mettre ça dans le VLAN 11. Comme ça, je peux le bus, le spanning. Je vais vous montrer. C'est pour faire un autre test aussi. Donc, c'est pas quelque chose de majeur. Donc, ici, voilà. Donc, ici, je vais pinguer ici. Et ici, ça, c'est le switch 4. Il y a le VLAN 11 ici. Donc, j'ai configuré le VLAN 11 ici. Donc, ici, si je viens ici, je peux vérifier. Comme je vous dis, on ne le fait pas comme je le fais. Il faut faire normalement une topologie sur laquelle vous avez les informations avant de. Pour ne pas vous embrouiller comme je le fais. Ouais. Non, ok. On peut vérifier sur le switch ce que je fais. C'est le switch. Voilà. Donc, on va faire encore une ici. Show VLAN. VLAN brief. Donc, vous voyez, ici, c'est ça. C'est le VLAN 11 que j'ai configuré, que je viens de configurer, que je viens de. J'ai aussi mis certaines interfaces du client sur le VLAN 11. Donc, juste pour faire le test. Donc, ici, je vais adresser. Je colle ici comme je l'avais déjà copié. Donc ici c'est ouais, point 17. Donc 10.0.18. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc je peux même essayer immédiatement de pinguer l'autre. Ping 10.0.0.17. Et vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est bon. Et du coup, si ça le ping, ici aussi, je peux le pinguer facilement. Ça a du sens. Donc, 10.0.0.
Je t'avais mis 18, ouais, je pense. Donc, vous voyez exactement, ça marche. Donc là, on vient de faire la configuration en utilisant le protocole VIP. Donc, c'est ce que nous venons de faire. Et pour expliquer un peu, vous voyez ici, sur le même, c'est possible que vous voyez sur le même switch, on a sur le même switch, on a deux VLAN qui sont configurés et puis ils n'arrivent pas à communiquer. Il est possible, comme je l'avais dit dans mon ancien tuto, que on va faire un routeur, un routeur inter-VLAN. Donc, on va configurer ça et pour que ça puisse communiquer. Donc, deux VLAN, voilà, deux différents VLAN qui vont communiquer. Donc, c'est possible et on le fera dans mon prochain tutoriel. Donc, ici, si vous voulez, je peux encore faire le test ici, si celui-ci, et puis je ping juste l'ordinateur qui est juste à côté. Ça va pas marcher parce que, premièrement, il se trouve pas dans le même VLAN et deuxièmement, j'ai pas fait la configuration pour qu'il puisse communiquer entre eux. Donc, je peux vous laisser ici, là-bas, je vais être en 3. Donc, c'est ça va pas marcher. Ah, désolé. Vous voyez, donc, c'est ça. Ping-in, donc, ça prend du temps. Et ça va mettre time out, request time out, request time out. Donc, j'espère que vous avez appris de ce tutoriel. Et je sais, c'est pas compliqué, mais il faut juste comprendre un peu le principe, comment les VTP marchent. Si j'ai un serveur, si j'ai un switch de niveau 3, comment je peux l'exploiter pour créer les VLAN dessus et ensuite avec les switch clients, peut-être, je peux juste répliquer les VLAN dessus et faire la configuration qui est vraiment facile, vous voyez. Parce que avec le tuto que j'avais fait précédemment, on a trois switches, je pense, ou deux switches, où il faut faire la configuration sur chaque switch. Donc, on va faire les mêmes configurations. Et ça, c'est vraiment difficile. Imaginez si dans un réseau, j'ai 10 switches, ou je ne sais pas, c'est trop, mais si j'ai 6 ou 7 switches Cisco, je ne vais pas me mettre à faire la configuration. Ça sera très difficile. Donc, très facilement pour le faire, je prends juste je m'achète ou l'entreprise, ils ont bien sûr un switch de niveau 3 où je configure, je fais ma configuration de VTP, je replique tout simplement sur les switches avec deux commandes, trois commandes. Je mets les entrées entre ces switches et ensuite je vais sur les switches pour préciser juste les ports sur lesquels mes VLAN seront appliqués dessus. C'est tout. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Claude Aboki qui va s'afficher. Et la prochaine fois, mon tutoriel, on va essayer de faire maintenant l'inter-VLAN. Pour que vous voyez, je peux juste peut-être sauvegarder. OK. Pour que la prochaine fois, on utilise peut-être ça pour faire l'inter-VLAN. Donc, merci et bye bye.